Car celui qui s'aime pour la chair récoltera la corruption de la chair. Mais celui qui s'aime pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Et ne prenons point souci de notre comportement, car en temps voulu, nous le comportons si nous ne faiblissons pas. Tandis que nous avons l'occasion, faisons le bien pour tous les hommes. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment ne fait les atteindre. Au regard des insensés, ils semblent morts et l'air de part est considéré comme une destruction totale. Et cependant, ils sont en paix, car Dieu créa l'homme pour qu'il fût immortel, le fit à l'image de sa propre éternité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il fut au commencement, et maintenant et à jamais. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ici pour célébrer le passage d'une vie plus haute de notre frère Bongo Jean Bosco. Il est tout naturel que nous qui l'avons connu, aimé, regrettions son départ. Il est cependant de notre devoir de ne pas penser à nous-mêmes, mais à celui, à lui. C'est pourquoi nous devons nous efforcer d'écarter nos pensées de la perte que nous avons éprouvée pour les diriger vers la plus grande gloire qui est désormais son partage. À cette fin, je vous demanderai de vous joindre à moi dans la récitation des Tédéum. Le Seigneur nous l'avait donné, le Seigneur nous l'a repris. Que le Seigneur du Seigneur soit béni. Ô Dieu, nous te louons. Ô Seigneur, nous te glorifions. Père éternel, la terre entière te révère. Tous les anges des cieux et toutes les puissances, le chérubin et le séraphin d'une voix inlassable redisent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de la majesté de ta gloire. Le cœur glorieux des apôtres te loue. La troupe vénérable des prophètes te loue. La noble armée des martyrs te loue. Par toute la terre, la Sainte Église te célèbre. Père, d'une majesté infinie, et ton adorable, vrai, unique Fils, et aussi l'Esprit Saint, consolateur. Tu es le roi des gloires, ô Christ. Tu es le Fils éternel du Père. Tu es assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. Tu es Alpha et Oméga, toi le premier et le dernier de tout, bourgeon et racine de David. Ô toi brillante étoile du matin, et jour après jour, nous te glorifions et nous t'adorons ton nom jusqu'à la consommation des siècles. Toi qui procèdes du Père et du Fils, ô Dieu le Saint-Esprit, toi aussi au Paraclet,
Nous te louons et nous t'adorons. Tu es la fontaine de la vie, le feu vivant de l'amour. Toi, Amen. Très saint Seigneur Dieu, égo et co-éternel, avant le commencement, pour toujours et à jamais, nous tes serviteurs vivons en toi, et tout ce que nous avons t'appartient. Nous te bénissons, nous te glorifions, très joyeusement nous te servons, ô puissante et glorieuse Trinité, que le monde entier te loue. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il fut au commencement, et maintenant et à jamais, et dans tous les siècles des siècles. Au péché, ton serviteur, Bongo Jean Bosco, qui vient de rejeter son vêtement de chair, et que tes saints anges les conduisent tendrement, afin qu'ils entrent dans la splendeur de la lumière éternelle et trouvent la paix en toi, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est son tour. Il est parti, son temps est arrivé. Parce que Dieu est Dieu. Il est tout puissant. C'est lui le créateur de ceux et la terre, le maître de l'univers. C'est lui qui permet tout. Il a permis aujourd'hui que notre frère laisse son corps mortel, sa chair, que nous avons déposé tout à l'heure dans la tombe. Mais nous autres, nous avons encore le temps de changer. Car la Bible nous dit, nous devons nous souvenir de notre Seigneur pendant les jours de notre jeunesse. Ce n'est pas seulement de la jeunesse.
Puisqu'il a plu au Dieu Tout-Puissant, frère Bongo Jean Bosco, qui nous a quittés. Nous confions donc ce corps à la terre. La terre. Le cendre au cendre, la poussière à la poussière, afin que dans ces corps spirituels plus glorieux qu'ils portent maintenant, ils puissent servir Dieu comme il le doit. Car je vous l'ai dit, bénis soient ceux qui sont partis dans le Seigneur, car les âmes de justes sont dans le main de Dieu atteindre. Au regard des insensés, ils sont partis mourir. Ils ont pari mourir. Leur départ est considéré comme un malheur et comme une destruction totale. Mais ils sont en paix. Car Dieu a créé l'homme pour qu'il soit immortel et qu'il a fait à l'image de sa propre éternité. Le Seigneur se tient au-dessus des abîmes de l'eau. Le Seigneur demeure un roi à jamais. L'univers est son temple. Sagesse, force et beauté sont autour de son trône comme de piliers de infini, sa force omnipotente et sa beauté resplendissant à travers tout l'univers, dans l'ordre et la symétrie. Il a entendu le ciel comme un dé. Il a fait de la terre son marchepied. Il couronne son temple du diadème des étoiles. Et de ses mains se répandent toute puissance et toute gloire. Le soleil et la lune sont le messager de sa volonté et sa loi tout entière et concrète. Il est là, et si nous descendons aux enfers, il est aussi là. Si nous prenons les ailes de l'Europe et nous tenons aux extrémités de mer, même là, sa droite nous conduira et nous soutiendra. Il nous fait ça, il fait par sa toute puissante et reposer dans une paix parfaite. Et de même, il prend soin du corps. Et de même, il prend soin du repos de ceux qui nous aimons et qui daignent attirer plus. Une ferme mais humble confiance, nous appelons et disons, prions. Ô Père de lumière, à qui il n'y a pas d'obscurité, nous te prions de remplir nos cœurs de calme et de paix, d'ouvrir en nous les yeux de l'âme, afin de pouvoir voir la foi des pensées. Et seulement à cause de notre faiblesse et de notre manque de foi que nous implorons des faveurs de ton omnipotence. Mais tu connais bien la faiblesse du cœur humain et dans ton amour sans limite, tu permettras à notre amour humain de prier d'accorder le repos éternel de notre cher frère Kibongo Jean Bosco et que la lumière perpétuelle brille sur lui de l'irréel pour les conduire dans le réel, des ténèbres de la terre dans la glorieuse lumière à travers le porte de la mort, vers une splendeur au-delà de notre compréhension. Nos pensées aimantes les suivront et l'entoureront. Veille au Seigneur à accepter ces dons de nos pensées, quelque imparfait qu'il puisse être, et touche-le du fait éternel de ton amour. Oui, allô. Oui, bonjour. Il faut saluer toute la famille, toute la communauté congolaise, pas maman sœur. Saluer la communauté toute entière.
Mais une chose que Kibongo a marqué dans ma vie, à chaque fois que na yoki Jean salie loko moko na bengiye gabi Jean na yoka ki osala ki mobulu bo soki na bengiye na gange liye il se soumettait toujours. Donc loko ngai etikai na motema langa na Jean Kibongo ezali nde obéissance envers tout ce que Jésus disait. Donc c'est tout ce que je peux témoigner. Donc repose en paix. Papi Zela Zela nanu mwasi alingia loba. Non, il faut qu'elle dise quelque chose. Il faut l'obéir au papa. Il faut parler. Il faut voilà. Comment commencer? Encore moins par quoi terminer? Ça fait 15 ans que je partage ma vie avec toi. 15 ans de vie, 15 ans de vie. On a lutté, on a lutté. Comme ça, on a fini, mais Dieu est souverain. Dieu est souverain, genre. Dieu est souverain. Depuis le 18 mars, à chaque nuit, je réfléchis. Il y a de cela quelques mois, j'avais un foyer, j'avais un époux, j'avais une famille. Mais aujourd'hui, c'est même pas. Ce qui n'arrive pas de moi. Je veux seulement te dire, Jean, que ces 15 années, pour moi, c'était un plus bonheur. Les gens disent souvent que l'amour fait mal, l'amour fait mal. Mais j'ai compris aujourd'hui que la seule partie de l'amour qui fait mal, c'est ce moment où j'entre dans un cercueil, moi derrière on vient ici, et je vois ma fille sans lui. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce que je peux dire, c'est que Jean fait un bon voyage vers ton Créateur. Amen. Et qu'il t'accompagne à sa droite. Amen. Ta fille est là. Tu connais nos projets. Tu connais tout ce par quoi on est passé pour en arriver là. Je te fais seulement une promesse. Je me battrai bec et ongles. Je prends soin de notre être. Tu as laissé à Kimia. Mais je t'assure que cet enfant fera ton honneur. Que cet enfant fera tout ce que tu n'as pas pu accomplir avant que la mort ne t'arrache. Que cet enfant va élever autrement Jean.
repose en paix. Ok. Kimia, jette là. Jette dedans. Bien, très bien, c'est bon. Ok, bon, bon, Mettez le tout dedans. Mettez le tout. Non, quelqu'un peut prendre un souhaiter. On fait ça pour moi. Voilà. Tous à la Kimia, tous chamabilé, pour un déconner, puis on a ça le sang boisouka. Témoignage, c'est salami. Dès que nous sommes qui viennent en morgue, que Nazan a émotion, ma casse, beau comprendre un gars. Parce qu'en principe, un gars n'a pas qu'à faire la service. La possibilité est là qui sans vous nous avons on a quitté pour qui disponible était pour toi la période il y a semaine sainte et on a fait nous ça là pour eux. Donc je ne vais pas faire de témoignage, je vais juste finir entièrement. Que les âmes de défunts demeurent en paix par l'amour de Dieu. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous à jamais. Amen. Puisse la lumière de son amour vous envelopper pour toujours. Puisse la lumière de son amour vous envelopper pour toujours. Puisse la lumière de son amour vous envelopper pour toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen.